l'exposition aurait dû s'appeler La Ligne. Pourquoi ? Parce que Ligne et Sport font généralement bon ménage. Prenez la ligne d'arrivée par exemple. Il n'est pas un champion qui n'ait rêvé de la franchir avant les autres. Mais il est clair que le personnel de la ville de Marseille, photographié en pleine action, a plutôt le plaisir en ligne de mire. Et en plus de ça, la camaraderie, parce que grâce à la course à pied, j'ai rencontré plein de gens, plein de sportifs, dont du personnel municipal, avec qui on lit la même passion et avec qui, pendant ces longues heures de course à pied, on peut discuter de tout, de rien, du travail, de la famille. Les photos de Franck Pourcel ne sont que le reflet de gens simples qui se révèlent à travers le sport. Prenez Franck Villard, par exemple. Son travail, l'action culturelle, sa passion, le surf. Ça permet un petit peu de faire le yin et le yang, c'est-à-dire on a la partie travail et puis la partie sport-loisir qui va complètement nous épanouir d'une autre façon finalement et de cultiver finalement moi à la bibliothèque l'esprit et le corps d'un autre côté avec le sport, je suis quelqu'un d'épanoui quoi. Quant à l'artiste, le bonheur des rencontres a été le carburant qui a alimenté ses photos. Ça devrait être même naturel d'avoir des aventures humaines. Et je trouve qu'aujourd'hui, il manque ce contact avec les gens, il manque cette rencontre avec les gens, de prendre le temps avec les gens. Sportif de la ville, une exposition photo à découvrir jusqu'au 24 novembre à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille.